Deux personnes ont été gravement blessées mardi soir après que le véhicule dans lequel elles prenaient place ait percuté de plein fouet un camion semi-remorque sur la route 227 à Saint-Angèle-de-Mont-Noir. Le conducteur, incarcéré dans la voiture, a subi de graves blessures, si bien que l'on craint pour sa vie. Le poids lourd sortait d'une entrée privée. Au même moment, une mini-fourgonnette se dirigeait vers lui et le conducteur n'a pu éviter la collision.